Bonjour les passionnés. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Futuroscope qui ouvre cette année deux attractions majeures, deux nouveautés qui comptent pour l'avenir du parc. Une nouveauté au Kinemax qui passe cette année en projection laser, numérique, forcément, 4K. Mais le plus important dans ce que je viens de dire, je crois bien que c'est laser. Et 3D. Et un nouveau spectacle aquatique. La Forge aux Étoiles, une scène de 7000 mètres carrés. C'est immense. Thomas, tu es collaborateur d'architecte. Tout à fait. Côté parc d'attractions, toi, tu es administrateur du forum... Du Futuroscope. Le forum du Futuroscope. Je m'occupe du forum depuis 10 ans déjà. Oh mon Dieu. Et coup de jeu. C'est vrai que le forum du Futuroscope, c'est là qu'on va quand on a besoin d'une information sur le parc. Tout à fait. Thomas, qui s'y connaît donc pas mal, avec qui on va faire un peu le tour du parc, voir toutes ses nouveautés. Le Kinemax en version laser, 4K, numérique, 3D. Et la Forge aux Étoiles, le nouveau spectacle en partenariat avec le Cirque du Soleil, avec du mapping, de la vidéoprojection, un rideau de LED, une lune à LED, deux chevaux, avec des lasers aussi. On l'a pas encore vu, mais apparemment il y a beaucoup de lasers. Comme il y a du laser dans le Kinemax, il y a des lasers partout cette année au Futuroscope. Le laser revient à la mode. Si vous connaissez des sociétés qui font dans le laser, achetez du laser, investissez dans le laser, c'est le futur. Nous sommes en 2016, nous ne sommes pas en 1986. Le laser, c'est le futur à nouveau. Le laser, c'est super. Direction le nouveau Kinemax et un IMAX numérique, laser et 4K. Une révolution. Une révolution. Et votre sentiment là, quelques minutes de cette découverte? Je ne sais pas, on va peut-être enfin avoir de l'IMAX numérique de qualité. Quelque chose qui ne soit pas décevant, qui puisse remplacer l'IMAX sur pellicule avec une qualité d'image suffisante. C'est une révolution. Ça sera une révolution si c'est réussi, si je suis convaincu. Bah, rendez-vous dans quelques minutes alors. C'est ça. Préparez-vous à vivre une expérience cinématographique unique. Alors, en vrai, je crois que ce vlog est absolument inutile. Il n'y a pas à s'inquiéter pour le Futuroscope. Voilà la queue pour la prochaine séance du Kinemax. Le parc n'est pas très rempli. Il y a quoi? Il y a 7000 personnes. Il y a 7000 personnes. Et les gens font la queue pour une salle IMAX. Numérique, laser, bah 4K. Ouais. À croire que ça a déjà son succès. On attend une pressage qui sera bientôt construite. Ah, ils vont construire prochainement, oui. Ouais. Donc il va y avoir un pré-show. Là, le couloir est provisoire. Ah d'accord, mais c'est vachement beau pour du provisoire. C'est vachement beau pour du provisoire, exactement. François! Ouais, est-ce que tu as un avis sur la projection laser? Clairement, l'image, elle est plus jolie qu'avant. C'est vrai que... Avant, on voyait quand même que l'image était un peu terne, comme ça, un petit peu usée, un peu fatiguée. Que là, fatalement, c'est du numérique, donc la qualité est vraiment... Ah non, alors le numérique, ça veut rien dire. Tu peux avoir du numérique dégueulasse. C'est comme t'as dans les salles IMAX numériques, comme t'as chez Gaumont, tout ça, les salles d'exploitation de films normaux en IMAX numérique. C'est dégoûtant, c'est du 2K sur un écran gigantesque. Tu peux compter les pixels, ça fait mal aux yeux. Et puis c'est sombre, surtout D'accord. en 3D. T'as pas assez de luminosité. Je t'avais dit que je m'y connaissais pas assez. Un projecteur normal, t'as pas assez de luminosité pour... Là, on voit que c'est quand même bien lumineux. On voit que l'image est claire, on voit bien les différences de couleurs, on voit bien le sombre du clair. Non, c'est pas mal. C'est ça. C'est très joli. Nouvelle technologie. C'est ça. Au Futuroscope. Nouvelle technologie aboutie. Aboutie, c'est vrai. Bien travaillé, bien imaginé. Alors, cette projection laser 4K? C'est super, c'est éclatant, c'est waouh, c'est le Kinemax du 22e siècle. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ce que disait Dominique Hummel, la projection du futur.
Voilà, le cinéma du futur. Et la, déjà la salle est vraiment super. Ouais, la salle aussi est magnifique. Le cristal est retourné à l'intérieur de la salle. Oui, le contraste est extraordinaire. Les blancs sont blancs, même en 3D, avec des lunettes qui altèrent un peu les couleurs. Ça, j'avais jamais vu ça. Et tu ne fais plus attention aux éclairages de sécurité sur les marches et les lampes de sortie de secours qui, qui en général font un peu des sources de lumière parasites sur les écrans. Là, tu les vois quand tu as fondu au noir et c'est tout. Tu dis « Oh mon Dieu, c'est vrai que ça existe ces trucs-là ». Et dès que l'image revient, paf, tu oublies tout, tu es complètement dans l'image. En plus, les lunettes sont très grandes, donc t'as pas de soucis des lunettes 3D qui te cachent les bords de l'écran. Et même dans les salles de cinéma traditionnelles qui ont des écrans plus petits mais qui utilisent des lunettes Dolby comme ça, comme les nouveaux pâtés, t'as des lunettes, ou c'est même la même taille de lunettes qu'à Ratatouille par exemple, et même pour un écran classique, c'est trop petit, tu vois pas tout l'écran. Et là, les lunettes sont tellement grandes que sur un écran IMAX, ça passe quand même. Tu me disais, l'image tient pas tout l'écran. Oui, en fait, l'écran est un peu courbé en haut et en bas, parce qu'il a un ratio pas proche du carré, mais presque. Alors que, oui, il en résulte des bandes noires de vide en haut et en bas. Voilà. Ça va être, je pense, le cas de tous les nouveaux grands formats qui sont plus forcément contraints à l'IMAX. À voir dans le futur. Et à voir avec des films encore meilleurs que celui-là. Et un autre truc, Tiny Giant, la loi du plus fort. C'est pas le plus beau film qu'on puisse trouver techniquement pour l'IMAX numérique. Techniquement, t'as des plans qui sont un peu pixelisés, t'as des plans où tu vois les incrustations, les trucages. Oui, ce ne sont pas des images réelles, c'est plutôt des reconstitutions. Ouais, en fait, ils ont filmé les petites bestioles sur un fond vert, ils ont incrusté des grands décors américains derrière. Voilà, il y a beaucoup de traitement numérique. Donc ça se voit. Il y a des images, ils ont zoomé dessus, ça pixelise un peu, tout ça. T'as la conversion 3D aussi par endroits, tu vois, c'est difficile de détourer des petits animaux avec des poils qui partent dans tous les sens, donc ça se repère quand on fait gaffe. Ça se voit surtout sur un écran de 600 mètres carrés. Exactement. Et du coup, malgré tout, l'image est superbe, mais avec un film qui aurait été filmé avec les meilleures caméras du moment, cette salle sera encore plus extraordinaire. Là, on trouve déjà ça génial. Et dans le futur, on va encore être surpris. Parce que le film en lui-même, qui s'appelait Le Peuple Miniature, qui était passé il y a quelques années sur France 2, qui date de 2011-2012, c'est le même, je crois. D'accord. Donc il y a déjà quelques années, ce film. Avec un film techniquement au top, ce sera hallucinant. Attendons de voir la suite. Mais là, le film, je pense, il va bien marcher. Bien et durera, je pense, au moins 2-3 saisons. Il est drôle, il est super drôle, il est joli quand même. Ouais. Donc le film il va marcher, il est cool. Alors, si on n'a pas l'œil comme ça, technique, hyper tac, le film est très cool. Alors, je vais expliquer à tout le monde. Comment on utilise une technologie laser, on utilise vraiment des 3 faisceaux laser, le vert, le bleu et le rouge pour pouvoir faire la lumière blanche, l'accumulation de lumière blanche. La régie, maintenant, on est obligé d'indiquer qu'on a un danger laser. Donc vous ne risquez rien, hein, bien sûr, mais c'est juste, réglementairement, on est obligé de le faire. Bon, ben voilà, vous êtes dans la régie. Ouais. Bon, voilà les deux projecteurs laser. On met les deux images superposées, pixel par pixel, pour doubler la puissance lumineuse en fait. Donc un projecteur suffirait, et nous, pour la taille de l'écran, on en a mis deux pour pouvoir accentuer la puissance lumineuse. Donc dessous, c'est la production des lasers, du vert, du rouge et du bleu. Ça passe dans ces gaines que vous voyez au-dessus de vous. Et on a un refroidisseur qui refroidit la puissance du bleu et du rouge, et un autre qui s'occupe que du vert, parce que le vert en production il fait 2 fois plus de chaleur que les autres, et pour après remettre la lumière fournie au niveau du prisme qui se trouve ici via les lentilles, il faut que toutes les chaleurs soient identiques des 3 faisceaux laser. Les 3 faisceaux laser ressortent ici à 15 degrés, alors qu'ils sont en production ça monte jusqu'à 40-45 degrés. Laser. Acheter des actions dans les boîtes de laser, acheter des rayons laser. L'étoile de la mort est à la mode d'ailleurs, Dark Vader sur Star Wars. On est dedans. Les souris d'ordinateur ont des capteurs laser. C'est extraordinaire. Le laser, c'est quand même le truc à la mode dans les années 80. Hein, t'avais des lasers partout dans les spectacles et trucs. C'est vintage, ça revient à la mode. C'est vintage, mais ça revient complètement. Et c'est complètement high-tech. Là, on va sûrement avoir de très beaux lasers dans le show. Là, c'est le laser qui offre la plus belle image jamais vue sur un écran géant. Le laser, une technologie d'avenir. Qui l'eût cru ? Le futur, c'est aujourd'hui, le futur, c'est au Futuroscope. J'ai envie de dire qu'avec ça, le Futuroscope redevient le parc européen de l'image. Si tu veux.
m'avait dit qu'à l'origine, à l'origine du projet Futuroscope, il y avait une envie de faire un flume ride, un parcours de bûche, et qu'en fait ce parcours de bûche devait démarrer par ici. En fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu cette partie vraiment sur le bord du lac, on peut reconnaître un petit peu ce qui aurait pu ressembler à un embarcadère. Circulaire. Ah voilà, circulaire, donc avec les bûches qui auraient fait le tour comme ça. Et après le canal qui serait parti dans l'autre sens vers ce qui est aujourd'hui le lac. Le lac aux images. J'invite celles et ceux qui regardent ce vlog à nous dire s'ils ont aussi des informations par rapport à ce projet, parce que je n'en sais pas plus. Alors voilà, un petit commentaire ici en dessous, là, suivez la flèche. Bien entendu, j'approuve ce commentaire sur les commentaires. Voilà. Le lac est encore entièrement éteinte. Dans quelques minutes, le spectacle nocturne avec le cirque du soleil. A priori, les premières images qu'on a vues, c'était très très lumineux. On va voir le résultat et on vous donne notre avis tout de suite après. Mais qu'est-ce que c'est que... Nebula ! Et moi qui ne croyais pas te voir par un temps pareil. Tu veux rire ? Je ne manquerais pas ça même s'il y avait un ouragan. Alors, on y va ? Tout est prêt. Voyons ce que cette cacaillerie a dans le ventre. La machine me transformera en poussière d'étoiles. Et je formerai une barrière de protection autour de toi. Nebula, n'aie pas peur. Mais qui a peur ? Soirée ensemble, premier géant, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. J'espère que le spectacle vous a plu, mesdames et messieurs. Est-ce le cas? Alors, vous pouvez encore applaudir très fort les équipes techniques et artistiques qui nous ont présenté ce spectacle, ainsi que l'ensemble des équipes du parc. Merci beaucoup pour eux. Bon, la forge aux étoiles, verdict? C'était bien. Quoi? Très perché. Très, très perché. Oui. On a déjà, je dirais, très verbeux. Il y a beaucoup de discussions. Ça parle. Surtout au début. Il y a 10 premières minutes, ça n'arrête pas de parler. Effectivement, c'est perché. Ouais. C'est l'histoire d'une nana qui est un petit peu amoureuse d'une étoile filante. Ils vont voir ils vont dans la galaxie. Ils vont voir des personnages. C'est un petit peu le Petit Prince, en fait. Version cirque du soleil. Voilà. Après, c'est très joli. Ouais, niveau technologie, on a fait un grand bond en avant. C'est clair. Ne serait-ce que déjà déplacer les écrans d'eau, tout ça. Avant, on avait l'impression de voir un petit peu techniquement, c'est toujours le même spectacle. Ouais. Là, il y a du niveau. Ouais, et puis on utilise plus l'espace. Enfin, il y a deux écrans qui ont été rajoutés. Le géant de 35 mètres de haut. Le géant de 35 mètres sur le filet, de haut, c'est super. Ça rend vraiment bien. Ouais. Je l'ai trouvé géant. Je m'attendais pas à ça.
Non, puis autant dans l'Edio, on avait des moments de vide sur le lac, que là, c'est tout le temps utilisé. Il y a énormément de lumière. T'as beaucoup de lumière de types différents. T'as des vidéoprojecteurs, des lasers, des projecteurs sur le lac. Même la façon dont ils éclairent les fontaines est complètement nouvelle. Avec des rayons qui viennent de l'extérieur et qui vont éclairer juste le haut du jet d'eau, là où ça mousse un peu. Alors qu'avant, t'avais des bêtes projecteurs en bas qui éclairaient tout le jet d'eau comme ça. Rien que ça, ça change. Tout est nouveau. On n'a pas trop l'impression de voir, d'être toujours sur un spectacle sur le lac comme avant. T'avais toujours un sentiment de déjà vu avant que tu n'as pas là. Aussi, par le fait qu'ils aient recentré la scène, ils ont concentré la scène au centre. Tu n'as plus de projection sur le fond, t'as vraiment l'impression de voir une nouvelle scène. Ouais, puis même le spectacle est beaucoup moins cucu que la praline. Il est limite un télo en fait, je trouve. Ça fait référence à des choses, genre le nom, le Bouvier, je sais pas quoi, ça fait référence à... Bouvier, Andromède, bah la constellation du Bouvier. Voilà, mais ça, la plupart des gens... Des bases d'astronomie pour c'est comprendre. Ça, voilà. C'est un spectacle, c'est un spectacle un télo. Mais venant du Cirque du Soleil, c'est peut-être pas étonnant. Ouais. Mais il faut le voir 4 fois pour comprendre tout. Oui, c'est ce que tu me disais. Tu viens juste ce soir de comprendre un élément du spectacle. Du spectacle. DJ Galaxy. DJ Galaxy, ce n'est pas un DJ qui passe des disques sur une platine, même si on voit une DJ platine. DJ Galaxy n'est pas une radio, c'est un astre. Désolé de l'apprendre. Mais pourtant, il nous montre un vinyle qui tourne sur une platine. C'est dur. Le parc a souvent tendance à regretter que ses visiteurs ne comprennent pas l'histoire du spectacle nocturne. Bon, on m'a toujours dit ça sur la forêt des rêves, j'adorais la forêt des rêves, il y avait un texte au début qui déroulait, qui expliquait toute l'histoire, et on me disait « Non, mais les gens aiment pas, ils comprennent pas l'histoire. » Là, c'est incompréhensible. Oui, mais la différence là, c'est que la première fois que j'ai vu, j'ai complètement décroché de l'histoire, et j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. J'ai décroché de l'histoire aussi à cause de tout ce blabla au début, mais après, les projections, les jets d'eau, tout est nouveau. C'est des projections comme on voyait pas avant, de ça, même les rideaux d'eau, avant c'était, ils étaient tellement espacés, on voyait vraiment des rideaux arrondis. Comme à Dreams aussi, on retrouve ça, à Disneyland Paris, t'as ces rideaux arrondis de chaque côté. Là, comme ils les ont resserrés, on voit ils font carré un peu. On voit un grand écran rectangulaire, plus que 3 écrans arrondis. Puis ils sont tous synchronisés les uns les autres. Ouais. Totalement. Rien que ça, ça change des choses aussi. On n'a plus l'impression de voir les mêmes technologies. Même pour de bêtes écrans d'eau, c'est les mêmes, mais on n'a plus l'impression. C'est ça. Puis comme tout le public est enveloppé dedans, forcément, ça donne un effet en plus. Du coup... C'est pas le spectacle ultime, mais c'est un gros pas en avant, ne serait-ce que techniquement. Ouais, mais on se rapproche vraiment d'un spectacle digne de ce nom. Mais c'est vrai ce que tu dis, on se rapproche d'un spectacle digne de ce nom. Avec la scène qui est resserrée en plus, il n'y a pas de personnages dessinés en images de synthèse qui n'existent pas. Il n'y a que des personnages qui sont joués par des acteurs filmés. Il y a vraiment un aspect... théâtral. Ouais, mais on reste quand même dans l'esprit du Cirque du Soleil avec un peu de circassien. Fin... Exactement. Mais dans les deux cas, c'est le cirque et le théâtre, ce sont des humains qui jouent sur une scène. On retrouve ça ici. On est vraiment sur une scène de spectacle avec des comédiens filmés, mais uniquement des comédiens réels qui jouent dans un espace clos. Comme sur une scène de spectacle, comme dans un cirque. Là, il n'y a pas de notes de musique qui chantent ou de conneries comme ça. Ce sont des planètes, mais elles sont jouées et par des humains. Pour la première fois dans l'histoire des spectacles nocturnes du Futuroscope, chose très importante, il n'y a plus de danseuse en tutu. Ça, c'est quand même à noter. Hein. Voilà. Puis là, on voit qu'on a quand même monté en gamme. C'est que pour une première version, on est beaucoup plus professionnel qu'on a pu l'être avec Lady O, même la note bleue de mes souvenirs. Là, on sent qu'il n'y a pas besoin d'une refonte totale du spectacle pour avoir un truc qui tienne la route. Bref, en tout cas, c'est une belle conclusion. Très belle conclusion à une journée au parc. Ouais. Je voudrais revenir sur autre chose, une attraction qu'on n'a pas découvert aujourd'hui, que vous avez fait ces derniers jours. Dans l'Omnimax 3D, le Solido. Le Solido, l'Explorarium. L'Explorarium. Le film avec Jean-Michel Cousteau. Donc c'est un film sous-marin en relief. Sous-marin, ce qui est un peu dans le même temps pour ceux qui l'avaient vu que Sous les mers du monde. Mais là, c'est pas de l'image de synthèse, c'est des vraies. C'est des vraies images toujours. Des vraies images, oui. Et vous me disiez, la qualité de l'image est vachement bien bonne. Oui, trouver l'image étonnamment très très nette, beaucoup plus qu'elle ne l'a été. Un bon tirage de la pellicule aussi, peut-être. Voilà, tout simplement, je pense. Dans le Solido, on passe d'un film qui était pas terrible à une image qui est superbe avec un film Cousteau, tout ça. Technologiquement, tu me dis, c'est redevenu au top. Le spectacle ce soir, c'est de la technologie comme on n'a jamais vu sur un spectacle nocturne au parc. Et le Kinemax, c'est aussi le laser qui est aussi une image vraiment parfaite avec la tour. Voilà. Le Kinemax laser, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et le parc, en 3 nouveautés, vient de faire un bond énorme. Et 2 petits mots quand même sur les films.
On passe d'une programmation purement pédagogique à quelque chose qui reste pédagogique sur le fond, mais qui sur la forme est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on a rarement vu au Kinemax un documentaire sur des petits animaux, enfin sur des animaux, mais qui font des bons, qui mangent des noisettes dans leur bouche. On est entre le documentaire classique comme le précédent avec les éléphants et les singes, et l'âge de glace avec le personnage d'animal de synthèse qui collectionne les noisettes. Là, c'est des vrais animaux, mais qui collectionnent les noisettes et qui ont des airs cartoonesques un peu. Mmh. C'est très mignon. C'est bien, une petite touche très marrante dans ce film. Pour les adhérents 2016, on vous réserve un article magnifique sur le Kinemax, sur le spectacle nocturne, à venir dans nos prochains numéros. Vous avez maintenant l'habitude, je vous invite à regarder la vidéo de notre précédent voyage au Futuroscope par ici, notre vlog précédent au Parc Astérix pour la découverte de Disco Bélix, juste là. Bon ben voilà. Sur ce, je crois qu'on peut vous dire au revoir. Il reste, de toute façon, il me reste une minute d'enregistrement. Voilà. Ça va être vite fait. Donc, Ah oui. Extérieur, voilà, sorti. Tout simplement. Tout simplement. Voilà.